peu le trophée. Alors, sur la carte, il faut qu'on aille... On vient des quartiers nord, il faut qu'on aille Pont Judith, en fait. D'accord. Ah ouais, la ruelle d'or, c'était vraiment pas mal, quoi. Ah ouais, non, la taverne... Je crois que je... Ouais, je suis allé trop loin. On va pas commencer à se perdre. C'est pas loin. Ça doit être par là. Bah oui, c'est par là. Bien sûr. Y a des rats là? Non. C'est là. Eh oui. Petit aller-retour de tout à l'heure m'aura servi. Allez. À pas me perdre maintenant. Donc, on a le reliquaire. Hein. Me faites pas le coup. Ah bah non, il est pas dans ton équipement. Tu l'as pas pris. Bien dégoûté. Alors ici c'est pour aller vers le monastère. Donc non. Ouais, porte du château. Je peux y aller. Oui, c'est bon. Eh bien, on y va. Alors, par où? Par là, j'imagine. Ouais, c'est ça. Voici le reliquaire comportant le bras de Saint-Georges. Je vous en prie, parlez-nous des disparus. Parfait. Eh bien, c'est une histoire à vous encailler le sang. Vos amis alliés disparus demeurent à Vienne, dans la fondation du maudit clan Tréméré. Ils enlèvent les mortels pour en faire des goules qui leur servent de soldats dans la guerre sanguinaire contre les Simicés. Depuis peu, les Tréméré enlèvent également les vampires. En violation de toute loi caïnite, ils fusionnent la chair de plusieurs vampires pour créer des gargouilles démoniaques qu'ils utilisent pour combattre les Simicés. Ainsi agissent ceux qui ont dérobé le don de Caïn à l'issue d'un horrible rituel perpétré sur le corps d'un petit enfant de Caïn. Où sont cachés les esclaves? Nous l'ignorons, mais nos espions ont repéré le maître des esclaves. Il s'appelle Ardan et demeure dans une fondation secrète des Tréméré, dissimulée dans la boutique d'un alchimiste de la Ruelle d'Or. Nous demandons votre autorisation princière de l'attaquer pour libérer les esclaves. Il m'est difficile de donner une telle autorisation, car le clan Ventru vient de sceller une alliance avec les Tréméré. Nous les utilisons contre le clan Haï des Simicés. Mais ils doivent payer leur dette de sang pour les crimes qu'ils ont commis contre ma ville. Nous vous accordons l'autorisation princière. Vous pouvez assaillir la fondation d'Ardan et libérer tous les esclaves caïnites. Pouvons-nous également libérer les esclaves mortels? Ou le prince se moque-t-il de ceux-mêmes dont nous nous repaissons? Je constate que Katharina la Sage n'a toujours point dompté la langue impertinente de cet enfant. Peut-être devrais-je l'aider. Puisque vous en avez payé le prix, vous pouvez libérer les mortels que vous trouverez dans la fondation d'Ardan. Et maintenant, vous pouvez disposer. Qu'est-ce qui m'a fait, oh? Vous avez appris un nouveau groupe de discipline endurance. Oh oh. Alors, fortitude, endurance, c'est très 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 bien. Contre les dégâts ingérables du soleil et du feu et des griffes. Et ça me coûte 1800 pour le débloquer. Oh, le passage de level. Parfait. Bah oui. Je vais aussi essayer de débloquer Majesté. Il fallait 60. En apparence, j'ai 70. Voilà. Yeux de la bête. J'ai développé aussi Protéane. Bah oui. Griffe du fauve, bah oui.
Il me reste plus que 200 points d'XP. Mince. J'ai tout mis dans les disciplines. Aïe, aïe, aïe. Eh oui. J'ai tout mis dans les disciplines. Petit foufou que je suis. Bon. Ok. Il a appris, lui, il a appris Offuscate, l'ami Willem. Eh ben. Plutôt fort. Masque comme il visage en niveau 2. Ah bon? Normalement, c'est niveau 3 dans le jeu. Bon. Pour l'instant, il a 5000. Oh là là, on va lui booster sa force un peu. Quoique. Ouais, si, si. C'est pas trop cher encore. Alors, par contre, en protéane, on va lui... Où est-ce que c'est? Ouais, on va lui booster Griffe du Fauve parce qu'il l'utilise souvent. Niveau 3, ça change rien, quoi. J'adore. Bon, bah, achète fusion avec la terre. Forme de la bête. Ah, vas-y. Et corps de brume. Ah, la vache, pas encore. Bon. On attendra pour le reste. Je vais lui booster son charisme. Ok. Et alors, Serena. Alors, déjà, Auspex. Achète-moi contact de l'esprit, s'il te plaît. Et booste-le. Projection psychique. Waouh. Ça va loin. Fortitude, elle a déjà niveau 2. Parfait. Invocation de l'âme. Appelle un revenant pour vous aider. Faut minimum 50 en perception. Ah. Je vais booster sa perception. C'est cher. Là, je peux. Hop. Et là, il faut 60 en intelligence. Fléau du vent. Oh, ça, c'est pour le souffle vert. Oh. Alors là, ça vaut le coup de booster son intelligence. 60. J'aurais pas assez. Ouais. Ok. Alors, la quête, maintenant. Pénétrer dans la fondation Tremere. Alors, ils disent Tremere, mais... moi, je dis Tremere. Parce que... comme pareil pour Tsimis, les simisés et les trémérés seraient logiquement dans l'intonation, enfin dans la linguistique, ce seraient les descendants de Tremere et de Tsimis. Et en fait, les descendants des clans, ben, par exemple, les enfants de Bruja, c'est les Bruja. Les enfants de Ventru, c'est les Ventru. Les enfants de Nosferatu, c'est les Nosferatu. Donc pourquoi les enfants de Tremere ne seraient pas Tremere, seraient les Tremérés? Et pourquoi les enfants de Tsimis, ou Tsimis, seraient les Tsimisés? Bah, c'est très français de... Voilà, de les... de transformer les noms comme ça pour donner l'impression d'un groupe. Alors que normalement, je pense, hein, je suis pas sûr, mais je pense que ça se dit les Tremere et les Tsimis. Enfin, pour tous les autres clans, c'est ça. Hein. Sauf, bien sûr, pour les Malkaviens, qui sont les enfants de Malkav. Voilà. Mais on peut les appeler les Malkav. Bref. Où est-ce que je sors? C'est par là. Hein. Ah oui. D'accord. Bon, et ben je vais attaquer la fondation de Prague. La fondation Tremere de Prague. Donc là, j'attaque un clan, on est 3, on va attaquer un clan à 3. Sympa. Rendez-vous à la rue Eldor. Au moins, les tunnels Nosferatu, c'est fini. Maintenant. On s'attaque au magicien. Au Kainit. C'est des Kainit très particuliers, les Tremere, hein, puisque c'est à la base des mages humains qui ont appris l'existence des vampires et qui cherchaient un moyen de se rendre immortels. Et ils ont détourné. Enfin, ils ont essayé de détourner l'immortalité des vampires pour la leur voler. Sauf que leur rituel a mal tourné et à la place, ils ont été transformés en vampires.
Alors, est-ce que dans mon stuff... Non. Direction la ruelle. La ruelle d'or. Donc le pont de Judith. Je l'ai passé, bien sûr. J'y étais, en fait. Je l'ai même traversé pendant qu'on parlait. Mais il est pas là. Mince. Je reviens du château. C'était par là, hein. Ici. Voilà. On s'y retrouve. Alors. On va aller voir Yorana, bien sûr, avant. On va aller revendre les bijoux. Rubis, émeraude, tout ça. Et acheter du sang. Si je pouvais acheter deux poches de sang... carrément des poches pour Serena, ce serait parfait. Bonjour, mon garçon. Que puis-je pour toi? Ah, 176, parfait. Et ça? Très bien. Poche, c'est 300. Oh oui, je peux. Je vais en acheter deux. Ok. Où en sont tes recherches, mon enfant? As-tu trouvé la belle Aneska? Non, pas encore. Ça progresse. Bon, ils utilisent jamais les parchemins. Hein. Ou je me trompe. Bon. Tiens. Alors. J'ai quoi comme parchemin? Progression dans l'abîme. Ça, c'est pour revenir au refuge. C'est très bien. Dextérité du sang, ok. Et un parchemin de l'éveil. Ah, cool. Et ici, force du sang. Ok. Ok. Bon, j'ai plein Bonjour, de sous. Je vais lui acheter garçon. Du sang. Que puis-je pour toi? Voilà. Adieu, jeune homme. Voilà, deux pour chacun. Même trois pour chacun. Moi, je vais rester comme ça. Ça devrait le faire pour moi. Oh, j'ai tout mis dans le sang. Bon. Peut-être... je vais juste mettre dans commande. Je vais désactiver leur pouvoir là, automatique. Renforcement automatique, guérison automatique, ouais. Ok. Alors, on cherche la boutique de l'apothicaire. C'est ici, Fondation Tremère d'Ardenne. Là, c'est parti. Cette boutique n'est qu'une façade qui dissimule la tanière des Tréméré. Très bien. Merci, Christophe. On est prêt. Oh, la musique est géniale. Alors, on est dans l'arrière-boutique ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Un rideau. Stylé. Qu'est-ce donc? L'arbre du savoir et l'arbre de la vie semblent avoir pris racine en ce terrible lieu. Ce sont des arbres magiques. Par leur pouvoir thaumaturgique, les Tréméré façonnent le monde comme ils l'entendent. Waouh. Il y a ça derrière le rideau? Ah ouais. Ça, c'est un big d'arbre. Ah ouais. Oh là là, énorme. Même les humbles fruits de la terre sont des armes dans les mains des Tréméré. Allons donc faire une moisson de sorciers morts-vivants. Waouh, à ce point-là? Ça se motive, hein. Je vais faire une petite sauvegarde.
Fondation d'Ardan. Et je vous propose une petite pause. Petite pause. Pas très très longue, hein. Je reviens. Voilà. Au niveau du background, les Tremères ont donc réussi à se rendre immortels. Mais... En étant transformés en vampires, ils ont perdu leur pouvoir magique. Mais ils avaient encore toutes leurs connaissances magiques. Et ils ont réussi, en dérivant le pouvoir du sang qu'ils avaient en eux, ils ont réussi à reproduire, à répliquer de pâles copies des pouvoirs qu'ils avaient de leur vivant. Et ils ont... de suite créer des théories et des livres, des écrits en tout cas, sur ces réplications d'anciens pouvoirs qu'ils avaient. Et ils ont créé comme ça une thaumaturgie, un savoir magique basé sur le sang. Et donc ils ont développé une magie. Voilà, qui est une pâle copie de ce qu'ils pouvaient faire avant, mais ils ont développé une forme de magie à partir du pouvoir de leur sang. Et ça a impressionné les autres clans. Et ils sont depuis surnommés les thaumaturges ou les sorciers. Mais ils ont volé le pouvoir d'un des petits enfants de Cain. Ils l'ont détruit pour pouvoir créer leur propre lignée, hein, finalement. Donc les Tremères sont aussi surnommés les usurpateurs, les traîtres. Ils sont mal vus, hein. Allez, on y va. On rentre. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un feu. Waouh. Nous avons trouvé les racines des grands arbres, et peut-être celles du pouvoir des Tremères. À quelle terrible entreprise se livre-t-il ? Allez, tue la bestiole. Voilà, parfait. Elle lâche des sous, parfait. Bon. Ça va, ça infligeait pas grand-chose. C'est tout petit, par contre, c'est chiant. Ah, là, voilà, vache. En plein un autre. Qu'est-ce qui se passe, là? Ça m'intéresse, là, le... Oula. Le coffre. Il m'intéressait, le coffre. Parfait.
Ils sont chiants à viser. Ça tue ou quoi? Allez au diable. Il y en a tellement partout. Ils sont tous morts là ou quoi? Oh non, mais revenez, c'est n'importe quoi là. Ils sont en train de déclencher tous les autres pièges de la pièce là. Qu'est-ce qui affiche Serena là? Elle revient ou pas? Non, vous faites n'importe quoi là. J'avais dit pas les pouvoirs spéciaux là. Pourquoi t'as sorti tes griffes, Willem? Ça y est, vous avez réussi à la tuer, la bestiole? Quand même. Bon, on peut fouiller les coffres ou pas? Non, toujours pas. Il en reste plus qu'une. Alors, peut-on ouvrir les coffres? Du sang à identifier. Et encore du sang à identifier. Bon, on va donner tout ça à Serena. Ça aussi. Alors, dans sa liste de disciplines, on va lui mettre contact de l'esprit. Voilà. Tac. On ouvre son inventaire. Et là, ça c'est quoi? Bon, ça lui coûte rien. Vitem Elsen, ok. Ça lui coûte un peu. Encore Vitem Elsen, super. Oh, 3 Vitem Elsen. Elle va les rendre parce que sinon je la vois bien les boire. Ok. Oh là là, c'est stylé. Ah, il y a encore des coffres. Cool. Il n'y a pas de piège, pas de sécurité. Oh, une armure cloutée. Excellent. Du sang. Bah tiens, pour toutes les identifications, tu as le droit. Oh la vache. Du trémère. Il y a carrément des trémères. Allez au diable! Oh la vache, il met le feu quoi! Ah, il fait des boules de feu! Saleté de mage! Allez, partez en poussière! Et la vache! Il a mis le feu quoi! Ah, il tire à distance, ils sont chiants! Allez, on recule. On recule. Si c'est possible. Non, ça va pas être possible. Ok, très bien. Venez. Mais oui, éloignez-vous de la flamme. Allez, on l'attaque. C'est lui qui met le feu. Allez. Avant que la frénésie la prenne. Allez au diable. C'est des nouveau-nés seulement. Hein. Allez, faut les tuer. Quand même. Voyez les bestioles là derrière. Oh la vache. Fatigante les bestioles. Alors. Il y en a encore un là. Est-ce que c'est le dernier de la pièce? Oui. Parfait. Oh, il invoque un homoncule. Espèce d'enfoiré. Ah non, non, pas le feu sur Willem. Hein. Ah là. Ça, on peut pas bouger. Alors.
faut surveiller les bouquins, hein, parce que chez les Trémères, les bouquins, il y en a. Hein. Vite et inconnu. D'accord. Des coffres. Vite et inconnu, on va la filer. Bien sûr. Allez, dis-nous ce que c'est. Encore de la vitesse malsaine. Allez, on y va. On ouvre les coffres. Ah bah bravo, tout ça. Il va y avoir une bestiole encore. Ah non, pierre de sang. Qu'est-ce que c'est que ça? Plus 70 en sang. Ah ouais. Là, c'est 3 fois une bouteille de vitesse, quoi. Pratiquement. Alors ici, on a quoi? Oh, c'est rempli de sorciers. Non, non, laissez-moi passer, les amis. Non, ne rentrez pas dedans. Revenez. Oh, ils sont deux. Ils sont deux. Allez au diable. Allez au diable. Ah non, mais ne le laisse pas faire. Quoi c'est? Regardez, ils viennent chercher leur propre mort. Je suis coincé. Des intrus, bien. Nous avons besoin. Ah non. Yes. Je peux pas sortir de là. Non. Alors, je vais revenir en arrière. On va sortir du bâtiment, on va re-rentrer. Putain, mais comment j'ai pu me bloquer dans le décor, quoi? Allez, on repart. Oui, Christophe, il est coincé. Hop. Ben voilà. Décoincé. On y retourne. On va pas là-dedans. Ah, c'est là que je m'étais coincé. Je te jure. C'est bon, les autres sont pas coincés. Alors pourquoi dans commande renforcement automatique. Ouais. Bon, ok, ok. Juste au niveau de la musique, on va un tout petit peu baisser quand même. Voilà. Ben, ça n'a rien changé. Option, son. Ah, c'est peut-être... Voilà. Parfait. On y va. Alors. Est-ce qu'il y a du monde? Il y a un mec. Oh, le régent. Ouais, alors sauvegarde.
On va continuer sur le niveau 1 de la fondation. Allez! Allez au diable! Allez au diable! Voilà. Elle n'arrive pas à s'en sortir là? Ouais, on a partout quoi. Et ça veut pas mourir. Non non mais n'allez pas dans les autres pièces, s'il vous plaît. Arrêtez de me troll. Il est parti où, Willem? Pas gentil de rester là quoi. Voilà. Sans attirer tous les monstres de toutes les autres pièces là. C'est que des pièces sans porte quoi. Quand même bien fait. Ah, une armure en cuir, j'ai déjà. Enfin, tout le monde a déjà. Contact de l'esprit. Ok. Ah ouais, celui-là, il est pas mort. Mais arrêtez de vous booster pour un petit monstre. Alors, je vais aller nettoyer cette salle-là avant de continuer. Alors, ici, on a à nouveau un régent. Mettre un coup de soin à moi. Mais est-ce qu'il est tout seul? Non. C'est bon, ça gère ou quoi? Arrête avec ton feu. C'est les pires. Ah non mais tue-le hein. Non, vous y arrivez pas? Allez au diable. Oh la blague. Il y a tous les monstres de toutes les salles là qui viennent. C'est pas vrai, il recommence. Allez, tuez-le. Merci. Allez, je me soigne. Comment ils sont chiants quoi. Allez au diable. Allez au diable. Il y en a tellement. Ça va, vous voulez pas m'aider hein? Ah. Genre ils drop de l'or alors ils veulent pas dropper le truc quoi. Ok. Oh un bouclier. Un sacré bouclier. Toi tu prends cher alors tu vas prendre le bouclier. Ah mince. Ah oui tu prends cher parce que t'es une arme à deux mains. Ok. Que j'ai quoi.
Par chemin de l'éveil, force du sang, dextérité du sang, progression dans l'abîme. Ok. Alors là, il y a quoi là? Arc en ivoire. Ah, il faut l'identifier ? Alors, dégâts 40 en aggravé. Waouh. Rapidité 75. 20 munitions. Ouais. Je suis pas trop confiant. Si je me prends une flèche dans le dos, je vais être content, tiens. Alors. On y va, on y retourne. C'est bon. Non. Soin. Encore. Ici aussi, soin. Putain, mais c'est qui marche comme ça? Un coffre. Ça pouvait donner des pierres de sang. Non. Je pense que c'est par là la suite. Ah oui, c'est par là. Encore une pierre de sang. Je vais en donner à mes collègues les pierres de sang parce que ça régénère beaucoup beaucoup de sang. Genre là. Eh ouais, ça en foule. Voilà, pour l'instant, il n'a pas besoin de plus. Ok. Encore. On y va. Oh, ils sont deux. Et recommence. Ils aggro tout le monde. Ok, on se bat. Non, 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 vous arrêtez maintenant. Oh, elle meurt, Serena, quoi. Mais quel boulet. Putain, ils ont aggro toutes les salles, quoi. Ah, ils m'ont poursuivi, quoi. Allez, viens. Ok, il est mort. Bien joué, Willem. On va s'en sortir, hein. Allez, on va chercher Serena. Qui est mort en chemin. Bon, après, on y allait un peu yolo, hein. J'avoue. Ah. Serena, elle est où? Éveil. Je peux te soigner, s'il te plaît. Allez au diable. Allez. Allez. Bon, là. Non, non, non. Allez, tue. Tue.
Ok. J'ai pu sortir de frénésie. Mais Serena, elle veut jamais se soigner, quoi. Voilà. Merci pour les soins. Allez, on avance encore. Oh la vache, il y a du monde. Ça dégage. Alors, il a droppé quoi? Un poignard. Putain, c'est bruit de pas. Voilà. Toujours les mêmes, hein, les homoncules. Hein. Ça, c'est chiant. Hein. Petit bracelet en onyx, d'accord. Ah. Allez au diable. Allez au diable. Hop. Allez, attaquez, s'il vous plaît, mes alliés. Je me sens faible. Je manque de sang. Allez, hop, on se soigne. Oh la vache. Non, 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 pas encore. Ah, cette caméra, yes. Fatigante. Ok. Oh, c'est du sport la caméra. Alors. Ah, oh, mais cette blague. Calme-toi. Tue-le. Allez au diable. Eh ben, ils sont tellement résistants. Eh ben, c'est quoi cette rémère là? Alors, un glaive. T'as déjà un glaive, hein, sûrement. Oui. Ok. De l'argent. Ah, c'est quoi ça? Des diamants. C'est beau. Un autre coffret. Ok. Eh ben. Et encore un autre coffre. Donc la suite n'est pas par là. Ah. C'est par où alors? J'ai ramassé pas mal de trucs, mais j'ai même pas regardé vraiment ce que j'ai ramassé. Progression dans l'abîme, d'accord. Contact de l'esprit, ça c'est bien. J'ai plein de vitesse malsaine. Ok. Putain, mais s'il vous plaît, soignez-vous. Bande de feignants. Que j'ai chopé d'autres. Ah ouais, j'ai chopé des balles en or. Ok, ça on vendra. Et ça on vendra. Ok.
Alors, c'est pas par là, la suite. Comment ça? Y a pas un faux livre à bouger, un truc, un accès? C'était juste une salle à coffre. Mais alors c'est par où? C'était par là? Ah, c'est par là. Ah ben non, là on revient vers... Est-ce qu'on vient? Je suis allé par là. Oh, non, pas du tout. Oh, je me suis fait tellement voir. Oh, j'ai esquivé la boule de feu. Allez, soigne-toi. Ah ouais, brûlez-vous entre vous, c'est parfait. Mais c'est quoi ce bordel? Oh la pauvre, elle prend tellement cher. Oh, elle est morte. Battu-le. Allez au diable. Allez, recule-toi. Oh. Allez, bourrine-le. Voilà. Parfait. On a encore perdu Serena. Bon, on n'était pas allé par là et tout ce que ça a gros quoi. Est-ce qu'il me reste un parchemin de l'éveil? Non. Ah non. Ok, je crois que c'est le moment d'utiliser un parchemin de progression dans l'abîme. Voilà, ça ouvre un portail comme ça qui amène au refuge. Donc là, on va pouvoir... aller en ville. Voilà. Acheter des parchemins de l'éveil pour Serena. Alors là, c'est la... c'est l'auberge, donc c'est par là. Est-ce que ce serait pas par là? Non. À côté. Ça y est, je commence à bien m'y retrouver là dans Prague. Tac. Ok. Ah bah j'ai des diamants à revendre. Voici mes potions. Oui, salut, on a besoin de parchemin. Alors, ça on revend. Oh, 350. Joli. Ah, elle prend pas. Ah, ça, elle veut bien. Ouf. Bon, les potions, les trucs malsaines, là, on revend tout, hein, tant pis. C'est pas cher, mais bon, ça sert à rien. À part nous rendre malade. Que Dieu t'accompagne. Alors, petit. Oui. Merci. Salutations, Christophe. Que puis-je faire pour toi? Je vais encore acheter des parchemins de l'éveil. Alors, j'en ai combien? 1, 2. 2, 3. Non, c'est bien 3.
Où en sont tes recherches, mon enfant? Oh bah ça avance pas trop. As-tu trouvé la belle Aneska? Pas tout à fait. Là on galère déjà. Tiens. Bienvenue. Oui, mon du enfant. Sang. Je vais prendre du sang. Voilà. Prends garde à toi. Je m'en rappellerai. Donc là, direction le forgeron pour aller revendre les armures. Et je me demande si je peux pas déjà utiliser le parchemin sur Serena. On va tester. Allez, viens. Oh non! Oh non, 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 non. Comment ça? Non, 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 on l'a refait, on l'a refait. Ouais, pont de Judith. Ah ouais, il y a les gardes juste à côté de moi. On va pas la réveiller de suite. La mauvaise idée. Heureusement. En plus, si je perds. Si je tue des humains, je perds de l'humanité. Hein. Des innocents. Qu'on va éviter. Alors là, il n'y a personne. Là, on peut. Allez, reviens. Ah, me dis pas que t'attires du monde. Hein. Alors, Serena, tu veux pas te soigner? Allez. Willem aussi. Ok. Alors, peut-être arrêter de les faire se renforcer. Hein. Commande. Là, parce que ça leur coûte vraiment beaucoup de sang. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment besoin. Le forgeron. Bonne journée à vous, messire. Voilà, ça va faire de la place. Ici. Je lui avais pas vendu tout ça, quoi. Mais... quel troll. Et ici... le glaive, on vend. L'albarde aussi. Non, ça on garde. Hop. Parole de forgeron. Marché conclu. Eh ouais, il aurait besoin d'un bouclier. Donc là aussi, il repasse avec deux armes à une main. Ah, je suis pas sûr. Hein. Jusqu'à maintenant, ça marche très très bien l'albarde. Ça prend de la place tout ça. Non, bon. Déjà que l'arc et les flèches prennent beaucoup de place. Tant pis. Bonjour, jeune homme. On revend le halbarde. Alors. Protège le porteur des morsures de vampires. Waouh. Pour 140. J'achète. Alors ça se met où? Salutations à vous. Oh comment c'est bien. Pas se faire mordre en combat. Oh génial. Est-ce que les autres ils ont de la place aussi? Alors vas-y, je vais bonne en acheter, journée je vais à en vous, acheter messieurs. Pour tout le monde. Hop, hop. Salutations à vous. Oui, oui. Allez hop, nous on se fait plus mordre pendant les combats. On a mis nos cols roulés, voilà. Parfait. On est beau. Alors, du sang. Ça je garde. De côté. Pour l'instant, ça ne sert à que dalle. Voilà. On est bon.
Donc là, c'est retour à l'université pour aller au refuge, pour reprendre le portail des abysses. Là aussi, c'est aussi dans l'esprit un peu Diablo, le TP quoi, Tone Portal. Donc c'est là. Nickel. Tu fais sauvegarder.